Ah, ça y est, on a un bas du pistolet. Alors, des rouges et jaunes. Ah oui, c'est ça. T'as raison, c'est plus. Alors, est-ce que vous essayez de descendre? Il reste à plat. Allez, là-bas, tout à droite. Tout à droite, là. Luna. Allez, Luna. Allez, Luna. Vous les apercevez sur un passage légèrement en dévers. Technique, ce parcours. Elle aussi, comme tout à l'heure dans la course des cadets, elle se retourne. C'est Lali Porrentrou qui fait le train. Et à sa droite, vous la découvrez, la jeune athlète d'Occitanie, Noren Zdour-Fort. Et on essaiera de faire un pointage sur les poursuivantes. Mais derrière, c'est un peu plus loin. On avait Anna Desgardins, Selena Adam. On avait également dans ce groupe de chasse deux athlètes de la Bourgogne-Franche-Comté, Soline Letailleur d'Alagat et Elena Ouess. C'est un peu plus loin derrière. Il va falloir revenir si on veut aller chercher la victoire et représenter dans la Coupe de cette Coupe de France sa ligue. Il va falloir revenir sur ces deux jeunes filles qui sont maintenant sur la partie difficile, hein, compliquée de ce parcours, une des parties compliquées de ce parcours avec le passage carrément sur la plage. Noren et Lali Porrentrou aux avant-postes. Elles en terminent avec leur première moyenne boucle. Il en restera une à parcourir pour boucler ces 4045 mètres. On est à la mi-course, hein, 7 minutes 35 de course, vous le voyez sur le chrono qui défile. Et derrière, en troisième position, Selena Adam avec le maillot bleu. Un peu essoufflé, un peu détaché pour l'instant. Il va falloir gérer le parcours. Peut-être le vent qui commence à se lever ici sur le parcours des murs. Ça repart avec une nouvelle difficulté, vous le voyez, ces montagnes russes ici au parc de loisirs du Val de Seine, au bureau, ces montagnes russes et une attaque. Regardez cette accélération, accélération énorme, accélération de Lali Porrentrou. Vous voyez avec son maillot bleu, elle vient de porter une attaque, mais alors juste en haut de la côte, ça peut se jouer maintenant dans la course des minutes filles. Allez, on retrouve la course dans quelques instants, pas sous podium.
Gagnant, il est troisième et c'est Louise. Cinquième place pour Laura Chouan. Sixième, Mia Ressancourt, Lina Ross, Alain Gardin, Victoria Vargas et Elisabeth Aké pour le top 10. On est pour Kevin. C'est le final.